Au calme. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est trop de trucs dedans. Non, non, ça va aller. Eh oui. Putain, mais tu vas vraiment pas bien, toi. T'as un grain du curbu. Yo Balutor, ça va ou quoi? C'était pour l'écran bleu, hein, je suis en train de créer une partie, etc. Alors... De vivement va pas, gars. On va éviter un petit peu le turfu, là. Yo Destruction, salut les gens. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Not available in trade beta. Not available in beta. Survivors are increasingly more difficult in Imperial Forces. Ah, Tatooine, fighting increasingly more difficult in Imperial Forces. Tatooine after a daring escape from an Imperial attack. Lucien. Yo. Ça gaze ou quoi? Tranquille, hein. Survival Tatooine. Qu'est-ce que c'est, Star Wars un peu là? Ouais, c'est la première game que je vais faire dessus, j'ai aucune idée de ce que c'est. Moi ça super, un tueuriste pour la première fois, j'ai l'éclaireur. Bah c'est bon ça, Balutor, c'est déchirant. Yo Mozzasso, ça va quoi? Tranquille. Yo. Oui, on cherche. Yo l'Olmandou, bah ça va tranquille hein, la pêche. Tranquille. On teste le petit Starbit, Star Wars Battlefront. Ok, donc on va voir comment ça se joue. Déjà j'ai aucune idée des commandes. C'est un FPS classique. Wow, c'est le turfu. Ah, ça lag un peu. Ouais, il y a des petits lags, ouais. Hier j'ai testé. Ça me fait des petites saccades là. Ah, c'est beau quand même. Hein. Ouais, par contre, c'est beau. Ok, l'essentiel pue du cul déjà dans ce jeu. Ouais, faut l'améliorer. Je peux même pas changer mes options là, est-ce que c'est délire? Si, si, tu fais start option manette, je sais plus où c'est. Ah oui. Contrôle. Ah ouais, 20%, ouais, tu fous de ma gueule. C'est dans le turfu. On va commencer par du 60, on va voir si c'est pas mal. Ensuite, bouton, fire, zoom, left card, right card, top card, crouch.
Ah non, moi par contre, je veux pas jouer du tactique, moi. Comment ils... Ok, Alternate, ils appellent ça le tactique. Très bien. Bon, bah ça me va. Très bien. Apparemment, il n'y aura pas de campagne dans le jeu définitif. Bah, c'est pas grave, hein. On va tester le multi, au calme. Une campagne de quoi? Tu veux que t'as un film Star Wars interactif? C'est ça. Ah ouais, la sentie, bien. Attends, on est déjà en 6, j'ai l'impression d'être dans le turfu, là. C'est un peu violent, quand même. Ouais, c'est du 50. Ouais, c'est mieux, là. C'est trop réaliste, les mouvements, enfin, les... Enfin, vraiment qu'il y a une fluidité malgré que ce soit une bêta. Oui. Non, j'ai testé Star Wars. C'est où? C'est où? J'ai testé Il n'y a aucun recul, les. Là, j'ai baissé le son du jeu dans mon casque, et puis même dans le jeu, je pense que ça doit être fort. Ça doit être fort. Settings. Audio. Audio. Master volume, ouais, ça doit être puissant dans le stream. On va baisser ça. Ouais, c'est mieux là. Je trouve la bêta énorme. Bon, on va voir ça. Hein. Salut Geoffrey. Salut Anthony. Salut, salut. On va tester tout ça. Donc là, il y a des cards. Hein. Je sais pas ce que ça correspond. Ça, c'était bonus aventure après. Les cards, en fait, c'est les. Dans BF4, c'était les. Pas les objets, les... Merde. Ah ouais, c'est triangle, donc en gros on change d'arme comment si c'est des triangles pour faire des cartes? Je change pas d'arme. Oh non, pas du tout. C'est quoi ça là-bas, là? Il y a des drapeaux. Kabal appelle une équipe de reconnaissance. Elle va te faire enculer, putain. C'est quoi ça? Voilà, j'ai fait ma cour de Rix en solo tout à l'heure. Et sur une réciproque, 3 runes volées, enfin 4 runes volées même, et une arme désuète. Tout solo. Attain the zone. Comment on monte là? Y'a pas un jetpack? Fuck. Utilise R1. Ah ouais, d'accord. Très bien. Et ainsi de l'info. Alors tu trouves comment ce jeu jeune loup? Salut GG. Bah j'en sais rien, salut, parce que je commence seulement là depuis 2 minutes. Claim the pod. Waouh, ils mettent le turfu direct. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est quoi L1? Ah d'accord. Bon, moi je ferme mes flocons là, tranquille. Faut que je fasse la rune des yeux de cette semaine avec l'arcale chiton aussi quand même. C'est quoi ça? Non, j'ai fait avec le chasseur là tout à l'heure en solo, mais j'ai pas fait le chiton et j'ai pas fait non plus l'arcaliste. Oh, mais t'inquiète, Shark, moi j'ai eu la quête que hier, donc...
Si je me suis co dans la Il est soirée, puis où? après j'ai fait. Ah oui, d'accord. Le poteau, ça va, ça je... Ouais, bah, ça va quoi, Devoclan? Bah, je suis en train de le tester là. Bon. Non, je me suis connecté dans la soirée, et puis j'ai fait 2-3 conneries, 2-3 quêtes, et puis après j'ai fait un raid avec Flo. Enfin, Flo, pas un Asao, mais un autre Flo. Est-ce que t'as déjà fait des trois de chargé? Ah oui, moi je l'ai eu du coup hier sur le chasseur. Ouais, tu sais, tu prends pas de chou, demain soir on devra faire les trois raids de la chaîne. Mais moi je lance pas, parce que de toute façon je lance pas la bannière tant que j'ai pas fait mes trois raids. C'est quoi ça là? J'ai envie de monter encore un petit peu en level en bannière, donc Proximity il faut que je bon. fasse la... L1 faut que je plus fasse du R1. raid. Salut Mehad, Ouais, ça va quoi? il y en a, il y en Un a. peu Anthony, ouais, ça c'est nouveau, hein. Ouais, tu sais, pour un peu qui lootait pas mal Ouais, je d'exos, suis tu en sais, à solo à niveau 310. là. Pour l'instant, je teste un petit peu, hein. Je tâte le Putain, y a turfu. plus de coffres ici, c'est la débandade. Putain, je crois vraiment dans Star Wars, hein, vraiment, que c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que je viens de faire, mais je l'ai fait. Wow! J'adore ce truc. Ça saute tellement haut. D'accord, on va. Ouais. Thermal imploder. Ah ouais. Bon. Ah d'accord, il y a Ça fait des écus. C'est un peu comme dans Battlefield, il faut anticiper le mouvement de l'ennemi. Ça fait 3 écus, Charlie. Vraiment, le multi c'est Nawak pire que Bagdad, on m'a dit. On va Je voir t'ai ça dit après. que j'avais le Super Zalo 310. Ah, c'est vrai. Il fallait que je le dise. Pas mal ça. Je crois que je l'ai à 310 aussi, même dans mon coffre. Au calme, ma gueule. Il est protégé lui. C'est du délire, Shark. C'est du délire. Alors, je sais pas si t'es au courant, Shark. Il y a un glitch pour farmer le coffre de la ruine des Agones, Arc. Ils sont trop bien faits quoi, c'est un truc de ouf, j'hallucine. En gros, tu fais la ruine des Agonards, tu pètes tous les gros, enfin tous les mobs. Et après, avant d'ouvrir le coffre, il faut que tu aies la ruine des Agonards chargée sur ton perso. Ça Et c'est bien, deux coups de cut pour tuer. J'espère que c'est il faut pareil en que tu aies des multi. ruines des Agonards non chargées dans ton coffre. Genre t'en mets une dizaine, enfin 5-6 ou une dizaine dans ton coffre. Et il faut qu'elles soient pas chargées. Et au moment où tu ouvres le. Par contre, il faut une application via un ordinateur, parce que sinon c'est trop la galère. Au moment où tu ouvres le coffre avec ta ruine des Agonarchs chargée, tu transfères une ruine des Agonarchs non chargée sur ton perso. Et tout de suite, la porte elle s'ouvre. Ah non, en fait, enfin, je te dis une bêtise. Il faut que tu fasses la ruine des Agonarchs, mais il faut aussi que tu tues les trois gardes d'Eshtar en même temps. Comme ça, la porte elle s'ouvre en face du coffre. Du coup, t'as la What? porte en face du coffre Je l'ai qui est en boulot face qui est aussi. ouverte. T'ouvres le coffre avec ta ruine des Fuck. Agonarchs, J'ai tu fail. transfères une ruine des Agonarchs non chargée avec Yo l'application au Cal, ça va moment où le quoi? coffre il Yo Jer s'ouvre Club. et tu pars faire un C'est changement comme de Destiny, tu zone es meilleur en PvE, est-ce que tu défends tout en PvP? dans la zone d'Eshtar Je sais pas, et tu aucune reviens. idée. S'il y en a qui savent, merci de répondre.
Non, pas du tout, c'est dégradé que tu passes, tu débloques choses en PVP. Au calme. Yobuni. Fuck! Ouais, je te... ouais, en gros, au moment où tu actives ta rune des agonarques sur le coffre, dès que le coffre il s'ouvre, faut que tu transfères instantanément une rune des agonarques non chargée depuis ton coffre ou un autre perso. Et il faut que tu aies fait au préalable de tuer les trois gardes pour que la porte soit ouverte, c'est la porte qui t'emmène à Eshtar. Donc au préalable, il faut que tu fasses la technique pour tuer les trois chevaliers que la porte soit ouverte devant le coffre des agonarques. Donc dès que tu as ouvert et que tu as transféré ta rune vierge, tu vas dans la porte et tu changes de zone et tu reviens. Et quand tu reviens, ta rune des agonarques que tu as transférée, elle se charge d'un coup. Ouais, et le coffre, tu peux le reprendre vu que t'as changé de zone. Ouais, il y a des mecs qui forment des engrammes légendaires comme ça. Mais c'est un peu galère là, quand même. What the fuck? Le seul intérêt, c'est aussi les particules de lumière, quoi. J'avoue que les pièces étranges, c'est la galère maintenant. What? Pff, je suis mort en sautant de 2 mètres. Je sais pas si ça coûte. Oh, j'avais une fou 13, ouais. Oui, j'avais fait 60, plus de 70 pièces étranges dans la semaine. Les épiques, c'est 9, Shark, c'est 9 pièces étranges en épique. Wow, ouais, comment il m'a calmé. Ok, one shot au corps à corps, c'est bon à savoir. Au niveau, je sais plus combien, 6 en niveau, je sais plus combien, et 9 au niveau max, 9 au niveau max. Yo chemin, yo Eric, ça va quoi? Oui, c'est possible, bien oui. Ok, je fais que de la merde. On peut pas passer à la troisième personne sur le jeu, j'ai vu qu'il y a un moyen là. Si tu peux, il faut que t'ailles dans paramètres, et je sais plus, c'est pas contrôle, c'est à côté. Oh, je vois alors. Ça sert déjà plus à rien, n'empêche pas. Bon, il me faut juste le casque du chasseur. Oh, ça je prends. Je le cache. Wow, ce que j'ai mis. Fuck. Ah, ça c'est chiant ça. Et en fait. Oui, bien sûr. Bah, tu m'étonnes. Par contre, j'ai re-eu un engramme exotique d'un principal avec un trait de denier. T'as vu ce que j'ai eu? Ah, j'aurais bien voulu. T'es fini là? C'est tout? J'aurais bien voulu. D'accord. Alors, montez le carreau à 310. Très bien. Bon, c'est pas grave. Ah non, pas replay, non. Salut Nathan Cole, ça va quoi? Ah non, je le garde. Bah, bonjour de Biloul alors. Bonjour à Biloul. Ouais, c'est pas en année 2, non, j'avais celui de l'année 1, mais quoi, je deux, mais... Bah, c'est un gros multiplayer, en fait. Là, on va aller tester le multiplayer. Drop Zone Fast Paced, The Single Objective. Bon, peut-être en PVP, quand même. 3K Assault, Battle Over, le Massive ATT. Ça vient d'attaquer Defend the Game. Ok, donc on a deux modes. On va tester celui-là. Putain, ça m'a cache trouvé une game, quoi. What the fuck. C'est une bouche sans en être. Yo la primo. Pour l'instant, c'est pas mal. On va tester le multi pour la première fois. Il est pas mal, mais il est pas non plus exceptionnel. Ouah, ça a pété. Ah oui, ça a contre, pété, hein. C'est vrai que c'est rigolo. Ciel là, tu en fus. Ciel là, tu en fus. Ah, mais ça, c'est. Ouais, des fois, il te sort de la merde, mais. Quoi? Pour l'instant, je suis assez convaincu de la cellule Zalo en PVP, hein. C'est un peu cheaté quand même. L'action en PVP, ah bah c'est bien, vas-y, je vais y aller là. Oh, ouais, let's go! C'est un peu cheaté. Hein. Tester ce truc, je sais même pas ce que c'est, mais on va le mettre tout de suite. Comment on se déploie?
Pour plein de jag, ouais, j'avais parlé que c'est cheaté aussi. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, mais non, c'est pas ça. Hein. Vas-y, je vais me déployer. Bah, là, j'ai mis du temps, hein, Tiens, je fais une Mais non, fée. les 3 de denier, les 3 de Ok. denier, je les claque à chaque activité que je fais où il y a Salut un boss. DDP, ça va ou quoi? Systématique. Ok, c'est parti. Nitamé! Start. Let's go! Je sais pas du tout ce que j'ai mis Ah oui, comme quand même. arme. Oh les boules, moi j'en ai claqué une fois 25, j'en ai eu Y a 6. que des lunettes sur toutes les armes, c'est chaud. Putain, j'ai aucun équipement pour jump ou quoi là? C'est chaud boulette. Tu m'étonnes. Ça, c'est un Tu allié. m'étonnes. Open fire! 45. Oui. Et sur les grosses activités, c'est là où ça marche le mieux. Fuck. Mais qu'est-ce que tu veux faire qu'il a claqué un 3 de denier et puis bah t'as pas eu de bol et puis. Oh, Jean, je tue Bon pas. allez. Il a plus de vie. 3 points de vie, lui reste. Mais bon. Show! Oui, Rick, hein, ça va oui, pas. oui, oui. Quand Oui, voilà non, mais je dis l'objectif. pas, Shark, mais Claim. est-ce que depuis quand tu crois que le jeu récompense ceux qui font le plus de kills? Je peux plus Ça fait. ressortir. J'ai cru que j'allais mourir, hein. Ah non, mais c'est ça, c'est ça. Ça fait longtemps. Ok, donc là ça a l'air Ça d'être le fait. squat un peu ici. Mais. Ça fait longtemps que qu'on sait que t'es pas récompensé au skill dans ce jeu. Ouais, c'est quoi qui me. Ça lag un peu, hein. Wow, ça me pousse là. Il y a des murs invisibles, hein. Oui, bon. Je l'ai pas vu, le chien de ta Ça, race. tu. Ah ouais, ça serait bien si c'était ce système-là, mais bon. C'est pas comme ça. Bah, ça serait bien que ce soit uniforme, en fait. Parce qu'en fait, c'est plus un système de loot pour les plus mauvais, j'ai l'impression. Mais ce qui m'éclate, c'est que soi-disant ils avaient mis un système pour que tu T'en relootes es pas chez 36 fois lessive. les mêmes trucs et quand je vois en raid quand tu lootes 4 fois la même le torse sur 4 raids. Ils sont marrants avec Bon leur après, jetpack, moi je l'ai pas après. moi. Oh les grenades! Ah mais eux Ouais, ils sont déjà stuffés c'était. de ouf, moi j'ai rien, du coup je me Ça fais je les ai, boulos après quoi. j'en ai eu aucun des trucs comme ça Salut là sur Techno le. Square, ça va quoi? C'est le turfu! Let's go! Oh! Il est où? Ni ta mère. Pourquoi il veut pas mourir les. Ils font des jumps du turfu, moi je peux rien Ah faire. oui, non, ça c'est bien sur un pont pour un sniper, tu vois. Il y a une tourelle là. Oui, bah oui. Oui, bah oui, Shark, oui. Oui, bah t'inquiète pas, il y a la bannière Il a pris le demain. On va pouvoir turfu. J'ai envie de tester la reforger tourelle la là. bannière. Ok, il n'y a plus de tourelle, très bien. Putain, ils l'ont reprise. Fuck, cours plus vite, Alors, bitch. mais ce qui est bien dans la bannière, c'est que maintenant tu peux Eh mais looter j'ai des stuffs, légèrement les l'impression que leurs armes armes, elles en font partie 10 000 fois PVP. plus de dégâts que la mienne, quoi. C'est ça qui est pas bon, hein. En Je connais pas bannière, sur maintenant Destiny, mais j'aurais une petite tu pourras question. que Le boss looter d'Heaven 18 sont reset directement quel jour? Elles sont jamais dans reset? l'ortie. Ah si, elles sont reset, non, je croyais que tu parlais de la bonne arc, mais c'est chaque semaine. Oui, je pense, oui. Chaque Mais. semaine, le mardi, bien évidemment. Ouais, bah. Putain, c'est dur, hein. Je suis derrière tout le monde en termes de Oui, stuff, je bah, galère. Shark, t'es mignon, hein. Déjà 36 parties, et 36 parties, c'est pas assez, hein. Tu loot pas en 36 parties.
Parce que j'adore la fluidité du jeu en tout cas. C'est un mix entre Battlefield et Call of, c'est juste parfait quoi. Non, ça va. Oui, bah, je sais, j'ai vu les photos à chaque fois. J'ai l'impression que son arme elle met 10 000 fois plus de turfu que la mienne quoi. T'as commencé le multi là John? Ouais c'est compliqué hein. Je suis derrière tout le monde là, j'ai pas de jetpack, j'ai pas de grenade, j'ai rien, du coup je prends le turfu. Ouais, ça c'est chiant, quand j'ai commencé hier j'étais pareil, j'sais, putain c'est dégueulasse. Il y a des mecs ils ont acheté des armes quand ils sont en 5 et. Ah puis leur arme elle fait grave 5, mal quoi. Tu... Bon, je Ouais fais non quelques non kills mais par-ci par-là mais. tant que t'es pas en 5 tu pourras pas vraiment rivaliser. Hein. C'est chiant. Oh, il prend rien! Et lui, il m'a mis tellement cher, il a une batteuse, les gars, gros, il m'a mis une balle, quoi. J'ai pas compris. Moi, j'ai une vieille arme, je sais même pas ce que c'est. Mais par contre, elles ont vraiment toutes des lunettes, les armes? Quasiment. Oh, tu me diras, vu la taille des maps, c'est pas trop dérangeant. Ouais, vaut mieux, ouais, parce que je... T'es impérial ou rebelle là? Je sais pas, je suis avec les clones, là. Oui, donc t'es un impérial. Ouais, je suis un impérial. Quand tu verras en C'est fait ça, Claude. le gun de base des Stormtroopers, il a une petite cadence, il fait pas mal de dégâts par rapport. Mais quand tu seras rebelle, tu verras, t'as un espèce de truc qui fait. Putain. truc qui fait pas de dégâts par Ouais, je peux contre. rien faire. Fait... Je tombe toujours sur le Muchazman là avec son arme, mais qui me met genre une balle, il me tue quoi, c'est. Je peux rien faire. Ils auraient pas dû ouvrir la bêta comme ça, ils auraient dû mettre les mêmes armes pour tout le monde là. Ça aurait dû faire une bêta où tu te limites à une arme ou deux et puis c'est tout. C'est quoi ça? Okay, je peux pas le prendre. Ah, sans jetpack, c'est un peu. Mais je peux Ouais, rien mais faire, en gros! 5, Mais mais rien! C'est un truc de ouf! Je peux le pas! rang 5, je l'ai fait en 2-3 heures hier soir, même pas. Comment il tue trop vite Je comme te dis ça, c'est 2-3 abusé? heures. Mais c'est les armes que t'achètes, toi, John. Tu faudrais que t'en achètes quand tu seras à rang et je sais pas combien. C'était pareil, j'ai commencé hier, j'ai fait what the fuck, je pleurais trop, j'avais mon petit pioupiou, les mecs ils me défonçaient en 2 secondes. Ah mais grave, mon arme elle est pétée. T'es obligé de monter les rangs et t'acheter des armes quoi. Moi c'est simple, tant que j'ai pas été rang 5, je suis pas allé dans Walker Assault, hein. J'ai fait que le mode avec les pods. J'ai pas été en Wow. Walker Assault avant d'être rang 5. Il est trop cheaté le gars. C'est qui lui? Muchazman là. Le gars, mon gars, il est intuable, il est énorme, je veux jamais voir ce que c'est quoi. Il m'a tué, mais je mets trop de balles avec ma vieille pétoire, hein, et l'autre il arrive, il te met BAM! Turfu direct, même pas chercher. Yo, Milk. D'accord, je suis déjà passé rank 2, d'où j'en sais rien, mais je suis passé rank 2. Mais ça va vite, hein. D'ici tu fais genre 10 parties, tu seras en 5. Hein. Thanks for playing. Comme les parties s'enchaînent vite, ça va quoi. Bon, bah, je suis à bientôt 90 flocons de radium, je suis pas mal. Ah, ça renchaîne une partie cash derrière. Ah oui, c'est enchaîne, hein. Tu peux relancer direct. Ah, c'était ça son âme cheatée, lui. Genre, il me tue avec ça aussi vite. Ah, mais c'est bien, c'est rapide les games, t'enchaînes quoi. Salut Erzai, ça va ou quoi? Oui, c'est là-dedans que j'ai fait mes 10 Tranquillement, victoires le pour la jetpack quête c'est de la une cape du catapulte, chasseur. pire. D'ailleurs ça me fait penser, c'est quand qu'on a les jetpacks et tout là? Parce que moi j'ai pas le jetpack, j'ai rien, c'est chaud. Je suis rank 2, je l'ai toujours pas. Mais tu te mets en pagaille avec Garnache Pistolero, tu vois. Ouais, cette arme-là elle a l'air déjà plus shit. Oui, bon bah tu te mets en cryo, tu vois. Ah, cryo, c'est pas mal en carnaval, en pagaille. C'est un peu cheaté d'ailleurs le cryo.
bon. Ouah, il me tue trop vite. Je peux vraiment pas challenge quoi. Il me tue vraiment trop vite. Oui, bah c'est comme. Yo Freezing. Salut Robs. Je faisais un petit coucou. Ok, Ardi, ça marche. Merci de passer. Non, mais je peux rien faire. Mon arme elle est trop moisie. Je vois tout le temps là, ça. One shot, ça abuse. Je prends tellement de turfus que je galère à viser carrément. Bah arrête, t'es pas mort là. Ni ta mère. De toute façon, petite heure assaillante, on voit quasiment plus en PvP, ils sont tous en solaire, c'est gogol. Ah quand même, moi j'ai cru que j'avais pas le tuer. Ouais, enfin c'est 1 sur combien, genre. Ouais, c'est chaud, hein. J'ai un peu de mal avec la sensi, peut-être qu'elle est un peu trop haute, je vais peut-être la diminuer. Je pense que je suis un peu haut en 106, pour ça j'y ai l'air à shooter. Oui. Ouais, je galère trop, c'est mort. Ils ont baissé la sensi est vraiment haute sur ce jeu. Très très haute. Quand tu fais le nombre de chocs. Moi qui suis toujours dans les 80% de sensi sur tous les autres jeux. Ouais, ils l'ont baissé. Là, elle est mieux la sensi. Genre moi j'ai lancé mon titan assaillant, j'avais pas mis le la radiesse et je me suis fait one shot par une balle. Faut de pistolet. Faut que j'achète jetpack, c'est rang 5 le jetpack. Rang 5 ! Oh lolo. Ah lui il est abusé lui. Ah, le solaire je trouve qu'il est pire, en plus de kill. Ils sont tous en train de camper gros, j'ai l'impression que c'est une bêta, ils jouent déjà leur vie quoi. Quand t'es assaillant, t'es obligé de garder ton super quand tu croises un épéiste ou un arcane solaire, tu vois. Dès que tu croises un casse-couille qui a activé un super qui dure un peu longtemps, bah faut que tu gardes ton titan assaillant pour lui briquer la gueule. Quoi. Arrête. Ouah, je prends des trucs, ah j'ai oui, toute ma life, il me met une balle, je tombe, c'est chaud. Ils ont des armes du turfu, les gars. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé la résistance du titan quand il a mais pas. C'est abusé, les armes qu'ils ont. What? En fait, si tu veux vraiment être résistant avec le titan, tu fais ton super. Ah ouais, c'est pas date carrément, tu veux dire. C'est pour que les gens ils hésitent. Je conseille d'acheter le pistolet. Je peux te faire copier-coller tes règles, j'ai ouvert ma chaîne. Je me fierai. Moi, si tu modifies, ouais, après, copier-coller. Texto, c'est moyen. Après, je m'en fous, c'est que des règles. C'est ce que tu veux. Il m'a mis une balle dans le dos, mon gun est parti à péta au schnock, j'ai rien compris. Ouais. Ouais, là. Non, mais même sur BF, hein, ma 106, je la mets haute. Sur Call of aussi, hein. Mais sur ce jeu, j'ai l'impression que la 106, c'est le turfu, quoi. C'est. Ah oui, non, mais. Ouais, mais après, on peut épée classique, de toute façon, il y a des branleurs. Je peux rien faire, j'ai le temps de rien, c'est abusé. Oui, assaillant, c'est un question, exo épée solaire, cryo abyssal. Ouh, des pôles. Ça dépend ton perso. Si c'est ton chasseur, je te conseillerais l'abyssal, cryo pour l'arca et feu pour le titan. Ce sera le moins galère pour toi pour avoir les épées. En solaire, ah, c'est cheaté ça. Mais les meilleurs, c'est abyssal et solaire, clairement. Oh là là, ils me font un sniper, tu m'as mis une balle, j'étais trop mal quoi. Yo Eric, ça va quoi? Là, je peux rien faire, je suis vraiment trop démuni quoi. Quand t'arrives dans le jeu, t'es vraiment derrière quoi, tu peux pas rivaliser clairement. C'est un jeu où faut tryhard si tu veux faire le pot quoi. Ah ouais, je peux rien faire gros. Le gars il arrive, il a mis une balle du turfu dans le front, ça y est, au revoir. Ouais, j'ai pas mis les taches solaires, moi j'ai mis un truc où t'as le plus de marteau. New part incoming. J'ai pas de jetpack, j'ai pas de grenade, ouais, j'ai pas d'armes sur pas besoin, puisque tu mets les bras exo avec le feu dirigé, le feu détonant, et dès que tu pètes un mec, il explose et ça se répercute sur les alliés proches. Genre tu mets un marteau solaire sur un mec, si on a trop autour, ils meurent tous avec un seul coup de marteau.
par contre, je pense que j'irai quand même tester le coup d'épaule du titan solaire en PvP, parce que je l'ai testé en PvE vite fait, comme ça, patrouille. C'est trop cheaté, mon gars. Mais tu sais, l'espèce de gros dash en avant là, quand t'es en super solaire. En gros, quand tu fais R1, tu fais un dash en avant, mais c'est pas de un dash de 1 mètre. Hein, T'as contrairement à ce que je pensais, les games elles sont très rapides, mais c'est intensif quoi. Yo Night Panda, ça va quoi? Acheter la base sniper pistolet et énergie. Ouais, Henrik, peut-être, je sais pas, peut-être que je me suis bourré. Coucou James Bond, salut Véléfort. Ah mais c'est ça le chemin. À mon avis, celui-là faut le tryhard direct, sinon tu te fais bolos. Tu fais pas le poids direct. Ok, Karl, merci de passer, hein, bonne nuit à toi, gros. Bon, je vais voir un petit peu pour stuffer là, je sais pas comment ça se passe. Ça va tranquille, Knight, ça va tranquille. Ah oui, je l'ai déjà Unlocks dit, alors, raconte. Starcard, là. Thermal détonator, ça va être une grenade. C'est que ce moteur-là, je l'avais quand j'étais niveau 19. Card. End. Il est chouette, ouais. Mais je l'avais eu en okay, grenade, j'imagine 19 bleu. En bleu. Et j'aurais bien voulu le garder. Mais, comment on met à l'endroit où on veut ça? Je l'avais viré. D'accord. Hop. Blaster. D'accord, donc ça c'est l'arme que j'ai. Ouais, ouais, mais bon. Pourtant elle fait plus de dégâts, celle que j'ai. Je comprends pas. Oh pute. T'as que ça comme gun? Bon, bah écoute. Ouais, tu vas chercher loin. C'est dans la boutique. À quand la reprise des numéros solo? Oh bah, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas envie. J'aurai quand je serai motivé. Qu'est-ce qui me pousse? Là, y a un mur invisible là, c'est bizarre. Sérieux là? C'est qui lui qu'on voit là-bas? Moi il manque que le lance-roquette donc j'aimerais bien l'avoir en fait. Bon, j'ai pas eu le sniper, j'ai pas eu l'éclaireur. Qu'est-ce qui me manque? Le rocket, j'en ai eu 3 fois, je les ai tous infusés. Fusion, je l'ai eu 3 ou 4 fois aussi, je l'ai infusé tout le temps. C'est qui qu'on voit en jaune là-bas? C'est notre commandant de section ou quoi? Ouais, ouf. Ah oui, d'accord. Enfin, les grenades sont hardcore sa mère. Allez, bonsoir. Salut. Salut. C'est pas parce que t'es une biatch que t'es obligé de faire ton maniéré, là. Les bon, biatch du salut, surfi, Gigi. Hein. Ta gueule, Bibit. Je m'ai déjà saoulé. C'est le turfu. Bon, je faisais un bon début de game, ça y est, j'en ai marre, voilà. Non, 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 non. Le son, non, il est chelou, là. Putain. Le son? Le son, il augmente, il baisse, c'est chaud, là. Non, laisse-moi leur mettre le turfu, fils de pute. Oui.
C'est ce que je vois. Je vais retrouver les vaisseaux et les Jedi. Ah, c'est pas mal ça. Bon, les gars, je suis fatigué. Ouais. Ok, bonne nuit, Freezing. Merci de passer ma gueule. Il a vu clairement dessus. Normal. Ouais, Night Panda, c'est ça. Merde. Putain. C'est le tutur, c'est le fufu, c'est le tutur. On est dans la cour d'Orix, on est tombé avec 6 mecs, mon vieux, c'est le bordel. Calm down, calm down. Y'a qu'une map par contre. Si. Ah si, si, mais là vous pouvez venir, hein. Y'a un mec là. C'est l'anarchie totale là. Ouais, ouais, non, mais il faut que je. Oui, c'est un sûr qu'il faut que je change de perso là pour faire les 18. J'ai pas touché à faire les runes. Mais tout à l'heure on était 7 à le faire. Ah, je savais que je l'avais vu quelque part, j'ai pas le temps de l'ajuster là. Fuck. Mais Shark le 18 tout à l'heure je l'ai fait. Fils de flûte. Mais là, mais elle a pas tenu la route. Oh my god. La prochaine solo, on part là-dessus. Ah non, mais nous on fait pas que les 18, on fait tout. J'ai dit salut. C'est le bordel. Quand j'ai dit salut Biatch, j'ai mis un S à la fin de Biatch. Oui. C'est le turbu. Non mais en fait là ils ont même pas le temps. Ben là depuis que j'ai ajusté ma sensi, je suis bien là. Je suis très bien. Shoot correct. Par contre, je sais pas trop où donner de la. Par contre, il y a un léger désavantage pour les rebelles parce que pour les impériaux parce qu'ils sont en blanc sur une map noire alors que les autres ils sont en gris et orange sur une map orange grise. L'autre mode de jeu John, fais l'autre mode de jeu, tu vas comprendre. L'autre mode de jeu c'est l'anarchie totale, c'est du 20 contre 20, la map c'est dans la neige, les impériaux sont en blanc dans la neige. Ouais, c'est du turfu quoi. Mais le truc c'est que ils ont un plus gros avantage niveau armes et niveau véhicules et tout ça que les rebelles sur la map enneigée. Donc c'est l'anarchie totale. Hier j'ai vu un mec, il a fini sa partie, il faisait du 75 pour 3 morts. La base. C'est la base. Ah mais c'est un putain de mode de jeu. Ouais mais quand tu restes dans les véhicules c'est vrai que voilà tu fais du score mais franchement c'est un putain de mode de jeu que je kiffe bien. Ouah c'est tous des planqués hein, c'est correct. Yo Figuel ça va quoi? C'est la merde. Eh oui. Le jeu est trop fort et des fois il est faible, il est fort là, c'est. Je comprends pas là. Cher Pato Cher. Oh il m'a pas respecté. Ouais mais il tue trop vite, c'est pas possible de rivaliser. Ils ont une arme, même moine gros, c'est nimpe. Je sais pas si c'est l'arme ou si c'est la co, mais si c'est la co, le jeu je l'achète pas. Non, il y a des armes, elles ont plus de dégâts que d'autres. Après, il y a un petit sniper qui est juste excellent. Regarde comment il est moine, je peux rien faire. Le petit sniper là qui est on vraiment bien. Vador dans Walker Assault ou Luke. Au calme. C'est bon ça. À ce point là. Attends, vas-y, j'en claque une. Vachement fluide, vachement beau. Après, je vois déjà des armes cheatées, ça commence déjà à me gaver. Alors, le jeu, je pense que si c'est comme ça tout le jeu, ça va être de la merde. Enfin, bon. Ouais, mais déjà, c'est justement là le problème, c'est que sur une bêta, t'as pas que ça à toutes les armes. Donc, s'il y a déjà des différences comme ça, j'ose même pas imaginer le jeu fini, quoi. Regarde tout ce que je mets dans la tête, gros. Moi, je prends 2 balles dans le corps, je meurs. Mais niveau jouabilité, tu fais pas penser un peu à Battlefield, John?
Le Butchazman, lui, c'est un shit du turfu. Le gars, il est rangé pas combien, il te met une balle, tu tombes. Et même pas chercher. Bonne nuit, Baiter. Regarde, je peux pas, je mets tout dessus. Y'a pas une balle qui va à côté. J'ai le premier shoot, je lui mets deux balles. Il m'a couché en une balle, c'est... Allez, donne les 100 grammes, toi. C'est bien. Venez voir papa. Ouais, ça campe beaucoup, hein. Je pense que je vais tester votre mode après parce que là, on est sur un mode de position, les mecs ils campent mais d'une force inouïe quoi. Quoi? D'accord. Je sais pas, après réflexion, je sais pas si je vais prendre ce truc. Je vois déjà des. Je vois déjà des trucs qui me plaisent pas là. D'accord. Bah graphiquement il est juste beau, il est juste beau, ça reste fidèle à l'univers. La fluidité est très bonne. Mais là je vois déjà des trucs qui m'énervent quoi, c'est le mec il arrive en face de toi et il te met une balle quoi, c'est clairement ça se passe pas comme ça. Non mais déjà ça annonce une chose, c'est qu'au terme du jeu fini, il va y avoir encore une fois le même phénomène que sur Call of, une seule arme et une seule, tu verras qu'une seule arme sur le multi. Ça finira comme ça. Et c'est tout ça pourquoi j'ai arrêté Call of. Regarde. Qu'est-ce que je fasse gros, je mets pas une balle à côté et l'autre il est arrivé dans mon dos, j'avais deux balles d'avance, il m'a tué. C'est, tu vois, tu peux pas rivaliser. Clairement pas. Pas dans l'autre map, après tu pourras tester le vaisseau. Ouais, je vais y aller. Il me fait lui. Pourquoi t'es rouge toi? Pourquoi t'es jaune, je veux dire? Attends, j'allais en activer une. Si vous voulez, les gars, j'ai trouvé une visuelle. Au début, il loupe pas. Après, il loupe tout d'un coup. Ouais. Moi, j'ai le rang 3. Oui, c'est un bon, par contre. On va dire une volée, il m'en reste 4. Je sais même pas comment je fais pour faire autant de kills pour si peu de morts, ouais. Même si je suis en négatif, parce que j'ai une arme, elle tire des pétards, là. Mon arme, gros, elle tire des cailloux, je viens de tire des billes. Quand il arrive en face, il me tire le turfu, carrément. Ouais, c'est des points comme les points des squads de Ghost. Non, c'est pas. C'est toi. C'est un peu ça. On va quitter. On va tester l'autre. Au calme. C'est un ultra, c'est pour ça qu'il est jaune. Ok. Le bilan, on sur une bêta, il y a déjà des ultra quoi. Et ils ont jamais su faire des bêtas, les mods. Le mec avec son pseudo en jaune, c'est le chef de ton escouade en fait. Il me suggère de monter en level avant de le faire. Ni ta mais. Moi j'y vais jouer, je vais tous les défoncer, je m'en barre les couilles. Petit sky du turfu. Le seul souci que je pourrais reprocher à Star Wars, c'est que le niveau avantage beaucoup la personne. Bah. D'une part c'est un peu normal, mais je veux dire d'une autre on va finir sur un jeu où tu vas arriver avec des mecs qui vont faire comme Call of, tu auras tout le temps la même arme, tu verras que la même arme. C'est... Mais non, parce qu'en fait là le truc c'est que par rapport à ton niveau, t'as des trucs en plus que les autres n'ont pas. Tu vois, là le maximum dans la bêta c'est niveau 5, mais imagine-toi que dans le jeu quand il sera sorti tu vas être niveau 50 par exemple, moi je vais arriver avec un niveau 10, et ben t'auras plus l'avantage sur moi via tes armes. Ouais. Parce que t'auras des bonus en plus sur tes armes que moi j'aurais pas forcément. Et ça c'est ce qui va un petit peu être entre guillemets pourrir le multi. Cycler rifle designed to fire solid projectile is crude but reliable rifle is excellent at fighting target. Ouais voilà, c'est avec ça qui me tue grave vite. Voilà. Un shot magnifique engine weapon to fire a range bolt. Bah voilà, c'est pour ça.
Ils te prennent des gros, ils te prennent des améliorations d'armes, du turfu, ils te l'activent, et puis ils te tirent dessus avec, et puis ils te mettent le turfu. Mais... Le truc, c'est que par exemple, allez, moi je sais que je vais pas acheter le jeu dès sa sortie, je l'aurai peut-être à Noël par exemple, ou début janvier. Mais pour ceux qui vont l'acheter à sa sortie, donc le 1er décembre, ils auront un mois d'avance sur moi. Donc moi quand je vais arriver, je vais me faire poutrer. Et ça risque, oui, de me dégoûter du multi. Appuie dans R1 pour activer vaisseau et autres. Ok. Tu vois. Moi il m'en reste fait. Une. Je viens, j'en ai mis une. C'est quoi ça? J'ai mis une. Il m'en reste une. Oh là là, je suis à peine arrivé, je me prends le turfu sur la gueule. À peine je pose un pied au sol, je prends un orbital strike. Ok, moi déjà je vais pas aller par là. Hop. Et le jump, là le jetpack c'est le rank 5 à ce que j'ai compris. C'est nimble. Defend the uplinks. Si tu peux débloquer le petit sniper au rang 2, débloque-le, tu vas voir, c'est une machine le truc. Mais je sais pas, j'ai pas vu de sniper. Mais. Si, si, il est à débloquer au rang 2, à acheter au même endroit que le jetpack. Mais je vois pas où c'est moi ça. Si tu veux, je t'envoie un lien d'un petit noscope que j'ai rentré sur un ATST magnifique. D'assez loin en plus. Ouais, parce qu'en fait. Maï et moi hier on s'est éclaté, on allait en multi, on se mettait d'un côté de la map, on attendait que le spawn soit tout dans le fond, on s'amusait okay, à rentrer des noscopes. Et ça rentrait. Tu vois, t'appuies sur R1, ça t'active un truc du turfu. Ah mais c'est le sniper. C'est rang 3 en cul. Ah non, rang 2, non, exact. Ah, c'est rang. Non, c'est rang 2. Ah, tu peux tirer qu'un coup aussi. Oui, mais toutes les 7 secondes il se recharge, et crois-moi que c'est assez rapide. Faut passer loin celui-là. Et il y a un effet comme dans Battlefield de portance ou... Pas. En fait, là dans la bêta, ils l'ont pas mis en hauteur. Comment dire. Ils l'ont pas mis en vertical, mais en horizontal. Donc en gros, si t'as un mec qui se déplace, il faut que tu tires 1 voire 2 cm devant lui pour que la balle le touche. Si tu fais pas ça, ça ne te touche pas. Ah putain. Ouais, j'ai vu Eric. Ils en ont réactivé. Dur chemin, dur. C'est. T'as pas l'effet de Coriolis, mais t'as l'effet horizontal. Si tu vois un mec qui se déplace, ouais. Il faut tirer sur son côté. Par contre, t'as pas l'effet, voilà, de Coriolis. C'est ça. Mais peut-être que dans la version finale du jeu, il y aura l'effet vertical et horizontal, il y aura les deux. Maintenant, bon, c'est que headshot du turfu. Mais c'est bizarre, il devait finir aujourd'hui soir. Je crois que je l'ai niqué. Faut qu'ils se rapprochent, les enculés. C'est pas mal ça, que tu c'est recherches ton snipe et tout, ça. Mais tout ça au centre. Toi t'es mauvais toi. C'est... Putain, ouais, moi je trouve bien le truc qu'ils ont mis des petites armes comme ça sur le côté parce que... Oh dire... Ah le snipe, je vais le kiffer. T'as pas d'arme secondaire. T'as vu, il est terrible. C'est quoi ce truc? Bah Maï, pourquoi tu m'envoies un message? Hein, de quoi? Ah, pas trop à gauche, de droite à droite. Bah oui, c'est déjà fini la rune. Ok, la rune fou. Et aussi, il a tenté de me niquer au snipe. D'accord. Tente les noscopes avec, tu vas voir. Oh lolo, c'est le turfu, ce flingue. Oh lolo lolo. What the fuck? C'est quoi qui m'a tué? Y'a un truc qui m'a tué sans raison là, what the fuck? J'ai dû rester en rock, fallait pas. C'est le turfu ce gun, hein. Oh la boire, je le sens sur la skin, la mettre. Attends, j'essaie de tuer des mobs comme ça. Oh là là, oh, j'adore ce truc. Il est d'une précision, c'est infaillible. Bah non, je passe même pas. Bah allez, vas-y, lui restait un coup à lui mettre quoi. Oh là là. Je m'occupe du. C'est mon gun. Oh là, il est mort. Et se crache avec leur veste. Wouah, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure. Oh putain, ouais. Vas-y. Deux.
Je vois le problème. Théorie du complot. Celui de l'avant-garde que tu chopes à 300. Ouais, c'est en gros, ils avancent sur nous, tu vois. C'est, je sais pas comment, si on peut les arrêter ou si c'est infaillible. Mais ou genre, je mets pas. Comme ça sur Battlefield, John. Quand tu prends deux zones, puis ça avance sur une autre zone. Tu prends les deux zones, ça avance sur une autre zone. Ah, bah c'est de la, c'est la, du, zone de la ruée, du rush. Voilà, c'est ça. Et bah, c'est exactement le même mode. Et il faut les empêcher justement de prendre les deux points et pour mettre fin à la partie. Parce qu'une fois qu'ils arrivent dans ton camp, ben c'est fini quoi. Tu peux être sûr que t'es mort. Ben ouais, je viens d'en activer une, j'en ai plus. Hey, Dark Vador. Ben oui, y'a Dark Vador. Fucking shit, il prend aucun dégât. Y'a même Luke Skywalker, non, il se protège avec sa, son épée. Faut qu'on les frise du tout, moi. Ouais. Et il me reste une rune désuète et après c'est tout, j'ai plus rien. Oh mais arrête, il prend pas. Ça me perturbe qu'il n'y ait pas l'effet de Coriolis. Hein. Mais non, c'est stylé, mais y en a qui hein. Le pète. Il est sérieux lui? Arrête! Non, 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 putain! Ah, y'a la tourelle qui protégeait, j'ai pas vu. Bah, alors, l'ocre, il, on a vraiment plus de respect. Oh! Wouah! Le shit que c'est ce truc! Oh, tiens, la flèche du bas, tu vas voir ce que ça fait. Ouais, tu passes en vue troisième personne. Ah, ouais! Et si tu fais soit gauche, haut ou droite, bah t'as des petites interactions à la Destiny, genre tu peux saluer tout bordel. C'est con, mais c'est voilà. Beau. Hein. Carrément fluide quoi, c'est un truc de malade. J'ai rien le temps de faire gros. J'ai rien le temps. Graphiquement, John, tu t'es pris une tarte ou pas là? C'est abusé. Il est beau. Hein. Et moi, par contre, il y a un truc. Je sais pas si tu fais le mode de jeu. Bah oui, tu fais le mode de jeu dans la neige là. Okay. Regarde les effets de paillettes sur la neige. Non, mais c'est j'ai rien. Hein. C'est. Hein? Et des traces de pas dans la neige, elles restent. Dis quoi? Ah, descend normalement. C'est juste abusé. Là franchement là je suis fier de ce jeu parce que t'en prends plein la gueule, là tu ressens bien à Next Gen, tu vois. Je l'ai pas tué. Et il a une épée du surfu lui. Oh ce qu'il lui met. Allez en grammes les gens, ça c'est bonbon. Moi j'ai plus de runes du tout. Enfin sont les objectifs là, sont là. J'en ai plein encore. Oh putain, ah si, il me reste ouais, une réciproque, il me reste tout. Mais quoi? Wow, mais what? J'ai pas mis la balle, quoi. Et ça, c'est un peu dans la map. Et je vois pas, là, j'ai pas, il me donne pas l'option R1 et L1, moi. Je kiffe ce snipe, hein. C'est une turfu. Hein. Il me fait tellement penser justement à Star Wars, c'est les guns des... Locar. Mais putain, mais je suis bloqué H24 dans le jeu quand t'as pas le jetpack, c'est relou hein. Par contre, les objectifs qui nous tirent dessus, c'est moyen quoi. On peut se faire tirer par l'objectif maintenant, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est des tourelles. Oh en fait, la vache. Tout ce qui est dans la map, tu peux le contrôler. Salut Thibaut, ça va quoi? Quoi, elle est déjà morte? C'est une blague, j'ai même pas mis une balle. Le turfu. Sortez pas, y'a le turfu. Y'a quoi à défoncer là? Oh, je vais mettre un quick scope du turfu. Mais la sensi quand tu vises elle est dégueulasse. C'est ce qui te permet d'être grave précis à longue distance, mais à courte distance c'est de la merde. J'aime bien ce spawn et qu'on me tire dans le dos. J'ai 4 désuets. Oh, arrête, elle va où la balle gros? Je mets dans le siphon quoi. Je suis dégoûté. Salut Siméon, ça va quoi? Mais surtout il me faut le fragment calcifius. Le turfu, il me faut le putain de jetpack. Ouais, il faut le faire descendre l'autre.
Oui, bah, y a un problème avec mon snipe hein, quand même, parce que je tire dessus, y a rien quoi. Bah, des fois, les noscopes rentrent mieux que les flashs. C'est une fluidité, c'est impressionnant. Mais genre. Eh merde, putain, le con. Normalement, bah tu affiches ce que tu ramasses. Ouais, mais c'est ça là, il faut ramasser, mais je le ramasse pas moi. Ouais, lui il l'a ramassé. Ah, mais l'Ocar elle est chiante à se mettre au bord du vide. On peut ressortir par là-bas. Non, non, putain, bah je viens de faire la même couille que toi. Ça est relou. Hein. Et le mec du turf juste là, il va nous défoncer. Oh, oh, oh. Lui, je viens de lui caler un petit truc, il a pas dû apprécier. What? Dans le dos. Fuck. Lui, il traîne toujours dans notre spawn, hein, ce chien, y'a personne qui le bute. Non, pas AW, c'est Star Wars. Et merci de ton follow, Chibo. T'avais un vaisseau. Ah, peut-être que je le ramasse, mais je regarde pas. Putain. Le vaisseau c'est galère. Bah attends mais. Je comprends pas là. Que j'ai l'impression que je tire au bout d'un moment je fais plus de dégâts. Exactement. Putain j'en ai 18 des réciproques là. Après Brani tu feras la chaîne. Bougez vos culs, vous êtes sérieux là. Mec, ils sont habitués à camper, mais c'est un truc de ouf, quoi. Ils ont ça dans le sang, ces connards. Ok, d'accord, il y a Dark Vador, il est arrivé, gros, il nous a maîtrisé notre race. On a tiré dessus comme des forains, il nous a retourné toutes nos balles contre nous, le gros chien. Bah, en même temps, c'est des Jedi, tu vois, bon, s'ils seraient au même niveau qu'un perso normal, pourquoi être un Jedi, tu vois. Un ennemi, là. Ah non. Fuck. Je lui fais rien. Moi, j'en plus sa vie, je peux pas défoncer ça. Faut tirer sur les yeux. Ah oui, d'accord. Depuis tout à l'heure, je le voyais, je faisais comme s'il n'existait pas. Il a pris la confiance et il a pris une balle. C'est pas normal là. Oh, l'autre en verme exotique. Même là, je suis une assise quoi. Ah ouais, c'est pas con ça. Moi j'ai que du bleu, mais comme j'ai plus de runes. Non, on prend le turfu, moi j'ai pas le niveau. T'as tiré de là-haut là. Je veux débarrasser ma rune blanche, bordel. Je comprends rien, ça tire de partout. Je sais pas où il est l'ennemi. Ils ont l'air de savoir, moi je les vois pas. Moi c'est moi. Fuck. Ça va aller vite hein. Il y a une précision dans les armes, c'est un truc de ouf. Meurs ? Merci. Oh le chien ! Oh le bâtard ce qui me passe. Bah je sais pas Simeone, donne-moi ton... Je m'en fous, vous jouez avec moi. Je m'en bats les couilles. Hein. Je prendrai peut-être ton gamer tag après, putain, fuck. C'est le turfu ce jeu, c'est un truc de ouf. Je me fais tirer dessus, je peux pas être précis. Voilà, j'ai chopé une rune volée. Je suis content. Je sais pas où ça vient, je sais pas d'où ça vient, je suis en pleine zone déserte. Je voulais tenter ma chance. Fais chier. Oh, il m'a pas respecté. Non, très rarement Thibaut, si j'y joue c'est en zombie, je joue jamais en multi de ce jeu, c'est de la pure merde. Fuck. Oh ce qu'ils nous ont. C'est stylé mais je connais rien donc en gros je fais de la merde. Je tire sur des gens en fait, je cherche même pas à faire quoi que ce soit. Bah bien sûr que j'y joue encore Thibaut. Pour être un Jedi, il faut ramasser un cercle avec un sabre dedans. Yo, Emrex, ça va quoi? Non, arrête, c'est trop bien. Non, c'est de la merde.
Ma mère, je suis mort, bah ouais, mais j'étais dans mon menu. De quoi? Ah ouais, c'est ça qui a lieu. Ah, puis maintenant c'est repassé PS4, hein, la licence. Salut Alexis, ça va quoi? Putain, la gueule que j'ai là-dedans. C'est le turfu. J'ai quoi? Alors, ce que j'ai en arme encore, j'ai envie de changer. Donc ça, c'est celle que je jouais. Donc ça, c'est celle que je jouais sur l'autre classe. Ça, elle fait pas de dégâts. Par contre, t'as une Rite of Fire de turfu. Et là, ça, on me tue tout le temps avec ça trop vite, alors que ça a pas de dégâts, hein. C'est chaud. Et c'est à rang 5. C'est ça. Moi, j'ai tout testé, voilà. Là, j'ai envie de tout tester, moi. C'est un lance de Michel, hein. Je viens ramasser. Je lui tire des godes. Je vais lui neutraliser le colon. Je suis touché. Touche-moi encore. J'ai plus de runes, hein, moi. C'est ça le truc. J'ai pas choisi cette arme, t'es sérieux ou quoi? Cette arme là? Ouais, il m'en reste sur mon arcaniste. Je kiffe le snipe, des 18, il m'en reste 4. Mais le problème c'est que. Ah, par contre, désolé, pour l'écran bleu, je dois modifier un truc. Voilà. C'est quoi que t'as lancé là? What the fuck? J'ai pris une balle, j'ai 50% quoi. On a déjà un Dark Vador. Touché. Critiqué à l'assist, il a pris une balle derrière, il est mort. Oh merde! Oh putain, il est dans la tourelle! C'est où? On peut pas se coucher dans le jeu, ça c'est un bon point. Ouais. C'est plutôt bruno ça. Moi je dis franchement sur Star Wars. Oh mais non, mais c'est Luc! Mais c'est cheaté ce truc, hein! Ok, bonne nuit, Emmerich. T'as vu, c'est cheaté un truc de ouf. Tu seras impérial, c'est les meilleurs. C'est pas que c'est les meilleurs, c'est qu'ils ont juste une force de frappe un peu plus balèze que l'Empire. Que les rebelles, pardon. Je dis des conneries. En même temps, c'est logique. C'est toujours un peu de FPS, je me trompe. Oui, plutôt FPS, ouais, carrément, j'ai toujours été. Parce que. Par contre, la carte là où ils l'ont mis, ça me déstabilise un truc de ouf. Les créateurs, en faisant le jeu, ça, c'est fait. Ils ont repris. Ouais, salut. Ok, bonne nuit, Thibaut. Merci de passer. Film. Enfin, des films. On dit merci qui? Merci, bébé. Merci, Jackie, Michel. Fuck. Je l'ai pas tué, il avait plus de vie. Ah mais des fois la barre de vie elle est buggée, tu vois qu'ils ont plus de vie en fait, ils l'ont toute quoi. C'est pour ça que j'ai tiré dans le torse, je croyais que j'allais le tuer. Il m'en reste quelques-unes mais il faut que je le fasse sur l'arcane, j'ai pas fait l'ogre avec l'arcane. Enfin, je sais pas comment on envoie les trucs là, faut que je trouve. Tiens ça là. Mais je peux pas le ramasser hein. Comment on ramasse les trucs au sol, les genres de sablier là? Je peux pas ramasser ce truc. Tu dis par exemple qu'il y a un cercle à 20 mètres. Bah ouais, mais tiens, je suis dessus là, mais y'a rien, je peux rien faire. Ouais, désolé les gars, je parlais à madame. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un sol, c'est un cercle dessus. Ça, je peux le ramasser ça. Oh, j'ai pris mon tarif là. Ça, c'est une grenade de merde ça. C'est une grenade qui nettoie toute une zone, ça. Ok. Laisse-moi deviner, c'est la grenade thermale, je sais plus quoi. Ouais. Elle est abusée cette bombe. Héros pick-up. J'ai ramassé un héros, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est ça, bah t'es soit Dark Vador, soit Luke. Déclenche le maintenant. Est-ce que je lui passe? Ah non, j'étais pas Dark Vador parce que j'avais encore mon arme dans la main, donc. Ah mais non, mais faut que tu l'utilises, faut rester appuyé longtemps sur L1 R1. Putain, j'avais trop de trucs en fait, ça veut dire.
Ouais, mais je sais, mais j'en avais déjà un autre, j'avais la thermale déjà. Ah ouais, bah. Tu peux en utiliser qu'un à la fois. Bah, tu peux en avoir qu'un à la fois surtout. Et le truc, c'est que si tu le ramasses et que tu ne l'utilises pas tout de suite, mais que tu meurs, tu ne l'as plus. Ouais, bah, c'est rien de se passer. Ouais, faudrait que je change de perso, les gars, pour prendre l'arcaniste. J'ai plus de dégâts que tout à l'heure déjà. Ouais, bah. Laisse tomber, j'ai une paire d'engrammes là, c'est un truc de fou. Je vois rien. Oui, je pense. C'est mieux. Ça passe pas, hein. Mais... Putain, elle déchire cette arme. Et en fait, il y a un gros problème hein, sur la stat de dégâts. L'arme, elle est pétée, c'est la plus pourrie. En vérité, je one shot avec. Arrête. Oh, j'ai esquivé une balle, gros. Casse-toi. On va passer trois quarts d'heure à la tour. D'accord, au calme. Oh putain. J'ai bug. Tu meurs la prochaine fois, fais blaster. Ça prend la place de la thermale. Ok, ouais, je vois ça. Ok, j'ai compris le délire. Tiens, il y en a un là. Véhicule turette. C'est quoi ça, véhicule turette? Ça doit être une tourelle sur pied. Il y a des trucs que tu poses, tu les contrôles toi, et des trucs que tu poses qui se contrôlent tout seul. Ouais, c'est marqué véhicule, donc je pense que ça se contrôle tout seul. Ouais. Par contre, il y a un gros problème dans le jeu. Et là, tu vas me dire, je pense que tu vas être sur le même point, c'est les spawns. Ouais, j'ai vu. Oh, mais les grenades, c'est abusé, hein, sont cheatées dans le jeu. Donnez-toi une spawns... zone. Les spawns, c'est de la merde, et il y a du spawn kill. Ouais, j'ai vu. Surtout dans ce mode rush. C'est un gros problème. Je ne veux même pas savoir. Imagine-toi des codex de soi, j'en ai looté 9. Je suis blindé. Oh, vas-y, tu sais quoi, je décrypte tout. Pourquoi je l'ai pas touché, je suis dessus, bordel. Par contre, elle fait grave mal l'arme, hein. C'est du mytho qu'elle a moins de dégâts de sa catégorie. Hein. Elle fait trop mal par rapport aux autres. Eh, hey, j'ai encore ma tourelle, j'ai pas perdu. Mais t'inquiète pas, Sharp, le colis compact qui va être supprimé. Utilise la tourelle, s'il te plaît. Bah ouais, mais demain. Je vais pas utiliser là, y'a personne. J'ai utilisé un endroit où y'a des gens. C'est demain, oh, voilà. Ça me paraît logico, là. Allez, maintenant c'est parti pour le démantèlement. Ah, mais sans le jetpack, je peux rien faire, c'est chiant. C'est énorme. Et ça campe, et ça campe, et ça campe encore. Va dans le blaster et prends le gun que t'as payé. Bah c'est pas celui que j'ai dans les mains là. Non, tu dois le prendre à chaque game. Je sais pas ce que c'est blaster moi. Ah bah c'est des loot spéciaux. Gardez. C'est des loot de... tourelle là. Bah c'est rien, tu les gardes, c'est des loot, voilà, c'est les trucs exclusifs que je te disais. Power up used. Moi tu vois j'ai les deux, j'ai le Fendeur du Crépuscule type 0 et le Esperos type 0, j'ai chopé les deux. Mais ouais mais en fait il y a deux stuff différents. Moi je les garde, moi. C'est des loot exclusifs donc... Mon respect. Non, non, c'est Esperos type 1 et type 0. Moi j'ai type 0 là et là c'est quoi? C'est le Fendeur du Crépuscule type 0. Ouais. Putain, j'ai rien looté de mieux que ce que j'ai.
Pas non plus. Ah, quoi que, celui-là. Bah, il crève jamais, lui. Si je l'infuse. J'ai que des critiques à l'assist, quoi. Bon, tant pis, je vais infuser, on va voir. C'est le bordel, hein. Ouais, ça bouge trop quand on me tire dessus. Ça, j'ai le casque, j'ai le torse. Celui-là, je vais le virer. Voilà. Je sais pas ce que j'ai pas mis dans la tête. Moi, je vais charger un peu là. Ok, là ils l'ont fait. Ouais, là. Ça campe, mais c'est puissant. On est sur une bêta, gros. Ils sont tous mais couchés par terre. Enfin, s'ils pouvaient, ils le feraient, mais ils sont tous accroupis par terre, quoi. Les éclairs, ça sert à rien. Le menu, quand tu meurs, tu vas dans les blasters. Tu peux pas les ramasser. Blaster. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça, en fait, qu'il était JT. C'était pas la vraie arme. Ouais, on va tester celle-là. Ah, c'est le pistolet, ça. C'est pour ça qu'il fait pas de dégâts. Mais il doit tirer vite. Il y a combien de balles? Ah, bah non, il y a pas de balles dans le jeu. Non, ça ah oui chauffe. D'accord, là, la cadence du délire quoi. C'est pas mal aussi ça le truc de surchauffe, j'ai bien aimé. Moi, pas je peux pas faire de fil du curfew quoi. C'est la guerre. J'ai tenté, hein. Je vois pas. Il prend tellement pas le curfew sur la tronche, le gars, que... C'est abusé. C'est quoi, ça? Oh, c'est le héros, je crois. Oh, trop bien! Je le mets cash? Oh! Tout réel? Ah. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le casque que j'ai looté. Le truc. Dans la gamme sublime. Bon, avec la petite musique et tout. Ouais, ça va, il est stylé. Et j'ai le torse qui va avec, mais bon, si je mets le torse, je descends en lumière. Moi, ouais, je descends de 1 en lumière, je sais pas. Ouais, je suis à 2,99. Ouais, je prends le curfew. Tu vois rien, ils sont tous dans les tourelles, les gars. On a le Salut qui Power, là, ça va quoi? Qu'il est où? C'est quoi là-haut? Ah, sans jetpack, c'est relou au possible. Ouais. Mon titan est plus ressens. J'ai rien compris. Ça ressemble à quelque chose, c'est pas mal. Les éclairs. Je passe même plus dessus, j'ai rien quand j'y vais. Ah ouais, non, je suis 4,98. Ça bouge tellement, c'est chaud. Hein. Fait tout le tour l'explosion sur la gueule. Au sniper, voilà quoi. Ouais, carrément, le duel au corps à corps, elle a abusé cette arme. Pardon? Ah oui, il était mort à moi. Critique à la 6 quoi, je me fais trop carotte.
Et ils sont dans les tranchées, nous on a découvert complet. Yo G, ça va quoi? Faut que vous fassiez quoi? C'est un système de ruée la Battlefield en fait. C'est un cercle avec un vaisseau dedans. Ok Robs, ok ok. Ça bouge trop, je peux pas être précis. Non. Oh putain, ça va. Non, nique ta mère un peu, toi. Pff, mec, ils passent leur vie dans les tourelles, on dirait Battlefield de remake, gros. Un truc de ouf, on est en une bêta, quoi. Je suis dégoûté, j'avais le héros, là. Fuck, fils de pute. C'est un campeur. Quoi? Je suis vénère. Je suis vénère. C'est la vénéritude. Here we are, yes, here we are. Mais qui mettent les profils et tout, c'est n'importe. Ciel, tu as fui, hein. Bonne nuit, Alexis. Merci de passer. Ouais, j'espère, Rubs, j'espère. J'espère bien. Joining match. On a quoi comme stat? Putain, mais. Let's go là. Dans le time. Ouais, ça marche, bonne soirée à toi. Ouais, salut, bonne soirée. Mais de rien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'est stylé, la troisième personne. C'est le jeu. Ouais, c'est chaud. Et lui me voit pas, mais moi je le vois très bien. Ou alors il joue en troisième personne et il me voit. Oh putain. Fuyez, bande d'inconscients, fuyez! Oh putain, je fais de la merde. Question con, quelqu'un sait où elle va la clé des Yules? Non. Les Fuck, j'ai pas fait l'ajustement. Salle des âmes, plateforme en hauteur. Là, non, c'est courte, pas où il faut la mettre, c'est où la voir. Où la mettre? Wow, mais ils sont toujours avec leur tourelle, ils sont chiants. Ah, ça me casse la couille. Je sais couille, pas comment on les loot les clés donc. Il y a certaines que tu faut que je trouve les strips. Hein. Je sais pas s'ils sont toujours à des endroits différents, s'ils ont des endroits prédéfinis sur la map. Tu loot plusieurs clés, tu peux looter plusieurs clés différentes en fait. Sans jetpack c'est relou quand même. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vers où Shark ta plateforme en hauteur? Moi je la vois, ouais.
attends, Brani, je te rejoins, je sais où il est. J'ai un gros doute. Je vais te rejoindre. Attends-moi, va à la coupe de Rix. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai arrêté. Je suis devant la cour de Rix. Bah attends, vas-y, j'arrive. De ce côté-là, c'est par là où on arrive au début. Ah non, c'est pas ce côté-là, je fais une bêtise. C'est des gros hinches. Non, c'est pas ce côté-là. Ah bon, Tripot, bah merci de ton indice, parce que j'avoue que je savais pas. Ça va sûrement m'aider. Bon, je t'ai pas que j'arrête. Attends. Attends, je fais pas de conneries. Là, c'est... Et ça, c'est le début, ça. Par ici. Ouais. Non, c'est pas le début, ça, si. Il me semble que c'est par ici, si je dis pas de conneries. Il y a encore une tourelle là-bas. Il y a des trucs que je comprends pas quand même. Hein. Je vois l'endroit. Attends, c'est quoi, on va directement repartir de là. Gros, je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Pourquoi j'ai mis une balle, il y a hit et le gars il a encore toute sa vie, quoi. Et bien sûr, ça passe pas. J'aurais dû m'en douter. Arrête, mais je mets dans le front, bah, gros. J'avais pas vu la balle. Ça le fout, la balle. C'est ouf, hein. Ah, l'aide à la visée, elle est trop dégueu. L'aide à la visée, elle m'empêche trop de viser. T'es sur un mec, le gars il passe 15 mètres à côté, sur son côté, ton viseur il bouge. C'est insupportable. D'accord, je spawn au même endroit qu'un ennemi. Je spawn dans leur dos. Voilà. Ici, je ne dis pas de conneries. Wow. Son sniper il tire deux coups lui. Ouais. What now? Fuck one that. Putain de merde. Il me semblait que c'était là. Attends, je vais aller voir. C'est un endroit comme celui-ci, t'as une plateforme, elle est juste là au-dessus. Y'a un gros souci. Ah mais non, c'est de l'autre côté. Putain, bah oui, bien vu. Et merde. Ah merde, attends, j'arrive. J'ai fait le con. Specrectum. T'es OG. Tu peux l'enlever, l'aide à la visée. Oh fuck. For God's sake. Faut que j'y prenne en compte la distance. Non, non, il y a ce qu'on m'a dit, on n'a pas besoin de lever le viseur. Mais nique ta mais... Putain, mais... Mais c'est quoi ces spawns? Je spawn, j'ai à peine posé le pied que je me fais niquer dans le dos. Ah bah cool. Il y a Walker en face. On est dans la merde. Attends. C'est pas que je comprends pas, j'ai un mec qui me tire dans le dos alors qu'on est... Ah oui, d'accord, ok. C'est là. Les spawns sont pas au point, faut que ça soit corrigé ça. À côté. C'est une blague? Et puis je peux pas très bien. Ouais, t'inquiète, j'arrive. C'est une blague, c'est ce que je disais. Enfin, j'arrive. On m'a fait spawn où? Mais il a mis une bulle de protection! Oh, je l'ai tué quand même. Merci. Mais de rien. Non, vas-y, mais j'ai pas de... Ah oui, j'aime mieux ça. Voilà. Ok, cool. Nice. Mais c'est sûr que des yules. Ouais. Putain, t'es toujours bloqué. Hein. Ça, c'est le genre de jeu qui m'énerve. T'as toujours un truc qui te bloque. C'est trop, et trop de détails, trop de détails. Ça, c'est con. Non mais faut attendre. Trop de détails, regarde, à ça je peux plus bouger gros, c'est ouf.
Tu l'as récupéré le coffre, Brani, où il faut prendre l'odeur là. L'odeur, ouais, ça c'est fait. Tu vas activer. Après les autres coffres. D'ailleurs, le coffre où il y a le poison qui tue, je me suis pas fait chier quand j'étais en épée là, mon chasseur, j'ai pris l'épée, je me suis mis en garde et j'ai pris le coffre. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait aussi. Héros. Est-ce que je le récupère avec le titan? Vas-y, envoie, envoie, comment on envoie là? Ah si, il est en merde, putain. Allez, Luke Skywalker, écartez-vous! T'es moche, Luke, mais c'est pas grave. C'est pas facile à gérer. Comment on fait, comment on fait? Moi, je passe ce côté-là, c'est de l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Mais attends, je te suis. Enfin, je te suis, je suis loin, mais je te suis. What the fuck? Non, t'es à côté, tu dois être à côté du coffre, là. Je sais pas. Ah non, je fais une bêtise, on est où là? Ok, donc c'est pas là du tout. Je crois savoir, mais j'ai peur de faire une... C'est shit. Faut retourner au début, où on a spawn. C'est par là, je crois. Ouais, attends, j'arrive. C'est abusé ce truc! Ah ouais, il couche vite quand même. Non, c'est pas ici. Bah, c'est cheaté, hein, franchement. C'est pas ici du tout. C'est par là. C'est bien. Il y a mon gestion en rebelle. J'ai pris un sauvage. Non, il vient pas de par là. Ouais, c'est ça doit être ça, je sais pas. Je crois que c'est par là. Eh, salut Gigi, salut chat. Salut Onyx, ça va quoi? Ouais, là. Je veux t'aider. Ils campent tous, il y a trop de tourelles, il y a trop de cette merde là, il y a tout le monde qui campe H24 dans un truc. Bon, c'est à l'été. Ok, d'accord, je loupe une balle ici. J'ai pas pris mon épée d'ailleurs. C'est trop, je connais pas encore assez bien la map, il y a trop d'endroits où ça peut sortir. Il fait une projection de force et Vador il étrangle. Ouais, c'est pas mal, c'est bien pensé. T'es parti là? Moi je suis là. T'es où? Ah bah merde, t'es passé où toi? Je suis au tout début là, je suis à la brèche. À la brèche? Ah, tu t'es fait l'écho? Non, 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 mais je suis retourné jusqu'à la brèche. T'as pris le coffre? Bah non, je suis... Oh, le terme qui mange, lui. Lui, tu m'as fumé à l'autre bout de la map avec une batteuse. Regarde, au niveau de la salle des âmes, monsieur. La salle des âmes, Qu'est-ce qu'il branle? Ouais, attends. Et merde, je me suis perdu. Oh, j'ai mis un coup de snipe à Vador. Mais il tape vite, hein. Moi, t'as vu, j'ai mes attaques, elles mettaient grave longtemps à charger. Attends, bouge pas, j'arrive. Attends, j'ai mon petit noscope du turfu là, attends. J'imagine. Headshot. What the fuck? Tu m'étonnes. On regarde de côté, en bout. Fuck. J'arrive, je suis là. Tu sais, y'a trop de tourelles, y'a trop de trucs, c'est chiant. Alors, je vais essayer d'en prendre une, j'ai pas essayé encore. Je sais même pas si on peut. Putain. Regarde, c'est shit. Bien gros, je le one. Il est où Rambo là?
toujours dans l'escouade, mais je le vois pas. Je prends le curfew là. Sors de là. Ok, bon, je suis à la salle des âmes. Putain, le gars est trop bizarre, ouais. Je t'ai cherché dans le couloir, je te voyais plus. Bah non, mais ça m'a TP là. Bah ça fait 2 jours que ça arrête pas les décos comme ça en partie. Le coulé. Ça c'est saoulant. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Ça permet de pas trop abuser. Waouh, je l'ai touché. Ah, c'est à cause de l'écran qui saute là, c'est chiant ça. Attends. Voilà. J'arrive. Ah, tu vas carrément par là, toi. Il y a des trucs qui passent pas qui me font un peu bizarre là. C'est bizarre ça. C'est bon, je l'ai eu. Voilà, putain, on va les en deux en plus. Moi je l'ai pas pris avec mon titan. Ni avec le chasseur. Je suis emmerdé ici, il y a trop de monde. Maintenant je sais où il est. Ah, j'ai eu le loot, mais j'ai pas eu le. Ouais, j'avais déjà pris le fragment. Oh putain. Par contre, il redonne une ruine et tout. Hein. La boule, elle nous protège de ce truc. Ah, il y a un coffre. Ouais, aussi. Visiblement. Ah, bah non, c'est la clé des accords. Ils avancent trop sur nous là. En fait, tu peux le farmer ce coffre-là, il te file des ruines. C'est bon à savoir ça. Bon, toi, tu vas pas me faire chier. Je me replie là, c'est chaud. Ouais. Leur zone à capturer, elles sont là. Ouais, bon, en fait, on était passé devant la dernière fois. Ouais. Il a pris le survu, lui. Oh le con. Ce couloir-ci, je le trouve magnifique avec les petites particules. Ah, ça rayait pas mal. Chargement, ok. Non, pas ça, gamin, c'est moi. Ah, bah ouais, d'accord, on revient là en fait. C'est quoi? Oh putain, ça part, oh, let's go! Attends, parce que les touches sont pas inversées. Alors, c'est quoi 5? Hein, colorant. Les touches sont pas inversées, du coup je galère. Hein. Je suis toujours habitué aux touches inversées. Je ramasse les coffres. Oh, je te vois TP, mon gars, t'étais contre un mur, je t'ai vu disparaître et réapparaître ici. Ouais, je galère. Tu sais que je vais correr de déco dans il pas longtemps. Suit. Il est juste à mon cul. Hein. Sinon, je vais arrêter là pour ce soir, moi. Bah, je pense que moi, pareil. Il me lâche pas, hein. Ah, les touches, elles sont pas inversées, faut que je les inverse parce que du coup, je galère. Je galère de ouf. On a perdu encore. C'est abusé, j'ai pas en gagné, frère. Retourne au combat. Come on. Ok, à plus ce chemin, merci de passer. Ah, il est lourd, Zébio, très très lourd. Salut le commando, c'est Miroji. Ok, bonne nuit, au next. Ah, la prochaine. Je l'ai pas pris celui-là, tiens. À la prochaine. Oh non, c'est quoi ce bug? Rank 4. C'est le tuyau fio. Voilà, ouais, t'es mort où? Ok. Mais en fait, ça m'a fait bugger, je me suis fait des coups, puis Rocco. Ah ouais, d'accord. Pas mal quand même. Hein. Putain, il y a un spectre. Il y a un fragment que j'ai vu, mais que j'avais pas pris. Tiens, là, tuyau fio. Ah ouais, là, dans le. Bah, du coup, j'ai ce qu'il me faut et la cause aussi. Je l'ai pas pris avec le titan. Condition which allows your primary weapon to fire one turn. Ok, c'est ça, c'est merde. An iron grenade, deliver massive damage. De toute façon, j'en ai 45 ou 46 sur l'arca et je dois être à 40 sur le chasseur et le titan. Moi, sur l'arca, je les ai tous, enfin, à part les 3 derniers là, mais. Ouais, c'est ça, Rebs. Ah, si merde. Est-ce que là, je me dis que tu es à la mêlée? Oh putain. T'as fait des. Après, je pense que les. T'en as combien? T'en as 47? Je suis dans le ouais. Surplus. Sur le. T'as fait sur toutes les. Et t'as eu la clé d'Exol, la clé des Yule et tout ça? Bah non, c'est ça que je ne comprends pas. Mais il faut que tu. Faut que tu chopes des. Quoi ça?
Attends. Tu chopes les runes de charmeur de verre, tu fais la... tu les as déjà faites les runes de charmeur de verre? J'en ai déjà fait une, ouais. Ouais, et ça te donne une clé. Mais en fait, j'ai eu une clé des gouzons sur le chasseur et une clé des youg sur le titan. D'accord. Donc elle te file des clés différentes. Oh putain, y'a déjà Luc. C'est bon à savoir. Donc je pense que tu dois avoir deux ou trois clés avec les runes de verre. Ouais. Ouais, je regarde. Est-ce que tu as le code des invasions célestes par hasard? Le pass et le code. Oh non, je l'ai fait tout à l'heure sur le chasseur. Ouais, c'était juste pour savoir. Mais tu coffres aussi, ouais. Je l'ai déjà fait avec le titan. Par contre, ouais, du coup, il faut que je fasse la rune des agonneurs qui est la rune des... sur le titan et le chasseur qui n'est pas chargé encore. Ça fait... on a pour une semaine. Ouais, bah ils sont à 4 sur 7 les deux. Attends demain si tu l'as pas fait, c'est déjà fait aujourd'hui. Ouais, j'ai déjà fait. Bah en fait j'ai fait toutes les quêtes sur le titan, sur l'arc chasseur. Donc, j'ai plus quasiment plus de quêtes à faire sur les trois persos. Il me reste que des quêtes PVP. J'ai les 3 épées exo. Mais t'es un vrai barbare en fait. Moi j'ai fait une épée exo, j'ai la flemme de faire les deux autres. Moi j'ai fait les 3 pour être débarrassé. En fait j'en ai fait une il y a 2 semaines. Et le truc dernier, j'ai récupéré les 2 dernières en même temps. Ah vous, c'est de faire pomper. De quoi? Ça dépend de le forme de pompage, hein, c'est ça? Mais en fait, oui, il me reste une. Pareil, la gouvernante, j'ai fait sur 2 persos. Et là, sur le chasseur, il me reste juste à faire l'assaut des frères de mer, là. Avant mercredi, comme ça je récupère la dernière gouvernante. J'ai fait les 50 flocons de Hadium pour les 11 de méchanceté sur les 3 persos. Ah ouais, donc non, mais t'es vraiment un barbare, toi, c'est pas possible. Voilà, il me reste, en gros, il me reste 3, 4 ou 5 spectres sur le titan et le chasseur pour récupérer les 2 autres 11 de méchanceté. Ah ouais, d'accord. Donc d'ici une semaine, j'aurai les 3 onces de méchanceté, comme ça je pourrai refuser les armes à 310. Ce mec est un barbare. Bah non, parce que Bobby a dû faire péter les gars. Là je le tuais plus vite, j'aurais pu en manger, ouf là. Moi j'ai fait une once de méchanceté et une gouvernante, j'en refais plus. Moi je les ai fait, c'était pour les points d'XP, pour les doctrines, mes 3 doctrines sont à fond. Ouais. C'est... Ok, bonne nuit, Oji. Les 3 persos, ils sont, je pense, en 4-305, quoi. Bah non, moi j'ai un perso. J'ai un perso 308 et les 2 autres persos sont 300. C'est pas mal le système de streak à ramasser, là. Moi je me suis fait un peu j'ai fait un peu le bouffon parce que. Au début, pas de faire des séries ou quoi, du coup, ça force les gens à bouger pour aller chercher, justement. Sur l'Arctan et le Titan. Et au final, j'ai racheté des stuffs à la tour plus jolis, enfin qui me plaisent plus. Du coup, j'ai infusé ça passe avec pas. Mes stuffs de raid, donc j'ai rebaissé en niveau là cette semaine. Ah ouais, d'accord. Mais il y a des stuffs qui ont l'air pas mal, c'est ceux dans les engrammes sublimes. Non, j'aime pas ceux du titan par contre. Bon, le casque, ça va, il passe. Oh putain, court. J'aime pas trop sur le chasseur, enfin, en fait, je préfère les engrammes. Pas les engrammes sublimes, mais. Les items d'assaut là, un peu exclusifs. Ouais, enfin. Après, faut avoir de la chance pour les looter quoi, mais. J'ai eu les bras de la harpie sur l'arcaniste. Et j'ai eu la cape abyssale d'Epsion sur le chasseur. Moi, ouais, j'ai rien loot. Je voulais absolument loot pour le titan, le casque d'Alactul, bah. Ouais, j'ai pas eu celui-là. C'est un gros campeur lui, hein. A chaque fois, il va là-haut, ce gros fils de. Lui, je vais le pré-shoot maintenant. Moi, c'est ça. À chaque fois que je fais l'assaut à l'Actool, le casque tombe pour quelqu'un, mais pas pour moi. Moi, je l'ai jamais vu tomber, moi, mais après. Ils arrivent même pas à prendre les premières bases. Non. Je loot plus rien depuis que j'étais clean. Après, je suis content, j'ai la cape. J'ai fait la quête pour la cape exo du chasseur.
putain, merde. Mais tu vois, Capexo, Brassard et tout ça, moi j'ai pas. Tu fais quoi? Il faut qu'il soit en 25 dans une faction. Ah oui, bah oui, effectivement, parce qu'il n'arrivera jamais parce que. Bah y'en a un qui m'a dit qu'on pouvait tirer à travers, bah c'est des conneries. Je fais pas les contrats. Ouais, après ça dépend, mais moi je sais que mon chasseur il était déjà en 65 à l'astromort, tu vois, donc j'ai eu la quête direct. Bah, mais moi le truc, tu vois, c'est que j'ai jamais monté les factions. Ouais, bah là il va falloir quoi. C'est quoi ce bruit? Parce que là j'ai l'astromort qui est en. Je suis rang 17, je crois, c'est sur l'arc avec l'astromort. Et les autres, je suis en train de les monter avec les autres persos. C'est tellement backdog. Quand j'aurai d'autres l'exo. Ouais, bah là j'ai fait. Donc la cape. L'astromort sur le chasseur en exo. Le titan il était rang 26 à la nouvelle monarchie, du coup j'ai eu pile poil la quête pour la ceinture du titan de la nouvelle monarchie. Et l'arcan, vu qu'il était à l'astromort, bah, je l'ai mis à la. Ouais, ça me gave, ça c'est un truc qui me gave, il devrait être beaucoup moins de tourelles là, trop abusé. Du coup mon arcan il est rang 8 ou 9 à la guerre future, je vais pas avoir la quête tout de suite. Là, ça va, puis ça va vite, regarde, tu farmes les assauts pendant une soirée, ça monte. Oui, carrément. Bah, surtout que le seul truc qui est chiant pour les quêtes, des items exotiques, il faut que tu portes un revêtement de la faction. Ouais. Un objet de classe de la faction. L'emblème de la faction. Et en portant ces trois items, il faut que tu fasses 10 victoires en PVP, quel que soit le mode. Après, tu as un pourcentage de kills à faire en PVP, qui est assez long. Oh ouais, d'accord, ça va me saouler en fait. Je mets pas dans la tête, je mets dans la tête pour voilà. Franchement, le temps que tu fasses tes 10 victoires, ton pourcentage il est à 100%. Il y a après t'as 10 assauts épiques et un pourcentage de kill à faire en PvE. D'accord. Donc en fait, quand le temps de faire tes 10 victoires PvP et tes 10 assauts épiques, tes pourcentages ils sont remplis largement avant. D'accord. C'est juste que après les épiques, c'est oui, mais près de moi à chaque fois. Tu es les autres, bande d'affiches de pute. Pour les 10 victoires du chasseur, j'ai fait 5. J'étais en carnage, pagaille, pistolet. J'en ai pas perdu une seule. Oh, c'est vrai que. C'était simple, hein. Franchement, je me suis mis en pistolet, en pagaille, carnage, j'en ai pas perdu une quoi. Dès que je voyais un titan, j'ai pas inversé les commandes, c'est la merde. Une balle de pistolet. Le pistolet dans ce mode là c'est le plus cheaté. Oh chier. J'ai pas inversé, c'est insupportable. En plus j'ai mis la poupée vaudou pour bien faire ma pute. Oh, j'ai touché. Oh mais faudrait que je fasse. Mais bon là je monte tout doucement les factions après. Il prend des détours, ouais, tu vois, prends pas la tête. Franchement le temps que tu fasses tout ce que t'as à faire, tu seras en 25 en le temps de compte. Les commandes elles sont pas inversées, je peux pas quoi, faut vraiment que je change ça. Ah, on peut partir sur un coéquipier, j'ai pas vu aussi. Faut vraiment que je change mes touches la prochaine fois que je prends un vaisseau parce que. Avec les commandes inversées, tu vois, sur Battlefield t'as un pro en. Et il est revenu. Bon, allez, hop. Je vais le prendre. On va arrêter là pour ce soir. Demain, tu vas venir de fer. C'est ça, mais sur le titan il me reste la quête de la nouvelle monarchie. Alors, avec les buttons. Il me reste des victoires en domination, je sais pas ce que c'est que ça. Air véhicule button. J'ai le. Ah si, je dois faire les télétrotrilles en PVP. On peut pas inverser? Ah ouais, c'est Inver flight, voilà. Moi je le ferai pas celle-là. C'est rabeau couche. Je l'ai perdu. Je vais voir un vaisseau. Gros, il me reste 3 kills sur titan, il doit me rester 2 sur l'arcan, et il doit me rester 4 ou 5 sur chasseur. Ah bah voilà. Ah ouais, au bout d'un moment tu le perds, tu le dis pas. Je suis loin là. Parce qu'au final, je peux me concentrer sur des trucs plus importants maintenant. Ouais, bah de toute façon, on a le temps. Hein. Bon, SDSC là il est. J'ai le time hein. Jusqu'au prochain Destiny donc. On a largement le temps. De tout faire. Oh oui, peut-être même un peu trop. Faut pas être pressé mon gars. Oh, la musique là c'est qu'on a Aguador. Ou Luc en face. Il y a un truc qui m'a légèrement tué tout à l'heure. Non, moi.
Parce que demain, il y a les micro-transactions qui débarquent. C'est demain. Ouais, t'as pas vu la connerie qu'Activision a lâchée ? Les micro-transactions sont là. On ne vous oblige pas à les acheter, mais si vous le faites, ça financera le développement de nouvelles quêtes pour l'année à venir pour Destiny. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a une sous... je vais dire comme ça, il y a une sous-phrase là-dessus, c'est plutôt... acheter... Ok, acheter j'ai marché sur un mec, très bien. Acheter nos micro DLC pour qu'on s'en mette plein les poches, voilà plutôt ce que ça veut dire. Parce que tu vas me dire que... Mmh. Allez, que c'est pas parce que les gens vont acheter... Ou acheter une danse à 2€ ou à 3€ que ça y est, ça va développer des quêtes. C'est bon, les quêtes elles sont déjà développées depuis longtemps. Tout le monde sait qu'elles sont déjà dans le jeu, qu'ils ont plus qu'à les activer. Arrête tes conneries. Non, mais je pense que ce qu'ils veulent dire c'est que. De toute façon, les microtransactions c'est du Activision tout craché ça. Oui, bien sûr. Et non, on ne sait pas le prix que ça va coûter. Mais vu ce qu'ils ont déjà fait avec Advance Warfare, le prix des camouflages, le prix des packs que tu peux acheter et tout ça, tu peux te dire que la danse, tu vas la payer 2€, 2,50€. Tout le monde s'écarte. On leur met le turfu sur la tête, tout simplement. Un camouflage sur Advance Warfare, c'est entre 2 et 3€. Juste pour un camouflage et une carte d'agent, magnifique. Donc. Oh, c'était les guides vers les vaisseaux. Donc voilà, c'est de là que tu vois le prix, enfin, tu peux t'imaginer le prix. Bon, on verra demain. Bon, ils abusent quand même. Ils abusent un peu, enfin bref. Oh, you died. Carrément, t'as aucune explication quoi. En vrai, j'ai dû me faire marcher dessus par votre connard de géant. C'est pas ça. Honnêtement, elles sont. Il y en a des pas mal dans les interactions que tu sais que tu peux faire. Bon, c'est des conneries, les petites danses, les trucs. Il y en a un, c'est vous que êtes tu pris, que t'as peur, un autre que tu sais, tu te coupes la gorge. C'est pas mal, il y en a des biens, tu vois. Mais moi, je trouve qu'ils auraient dû soit les donner gratuitement ou alors les faire looter. Tu vois, c'est une connerie, mais un petit loot par exemple. Mais non, il est pour faire ça, ils les vendent. Mais pourquoi ils font pas des petites missions cachées pas trop compliquées qui permettent de les récupérer, tu vois. Ouais, aussi. Bon, après, ça reste une danse ou une interaction. Voilà, ça reste un truc que c'est rare quand tu te sers, mais bon. Je l'ai tué. Putain, les noobs. T'as vu, j'ai l'impression que plus on monte en rang, plus les armes elles font de dégâts. Je faisais pas autant de dégâts au début. C'est le turfu que je leur mets là. Galère à me tuer, je l'ai tué tellement vite. Oh là là. Je comprends pas là. Enfin bref. Bon, oui. Sur ce. Oh, c'est chiant, les tourelles s'abusent. Ça ressemble pas à BF. Ouais, pas vraiment, non. Pour s'acheter des danses, ça des signes. Ouais, bah je m'en fous. Je compte pas acheter, dépenser de l'argent pour des danses de merde. Je suis pas un pige. Faut arrêter les conneries. On la voit partir de la balle, mais. Ok, lui vient de se prendre le turfu aussi. C'est chez moi ça. C'est le bordel, y'a tout le monde qui rush sur le front comme des gros barbares. On peut plus reculer, arrêtez! Ouais, grave.
Ah. Ouais, c'est ça le truc. Ah, ça serait bien, Rubs. Ça serait bien que je réussisse. C'est tu refuses ce jeu. C'est pratique. C'est pratique. Bon, viens, je vais diminuer. T'as une box avec la clé 4G. Bah non, c'est juste une... j'ai une box, j'ai ma box et j'ai une clé 4G. Allez. Donc oui, mais enfin je sais pas comment c'est dire. Bisous les gars, à demain. Ciao ciao. C'est... Bonne nuit les gars, moi aussi. Ciao ciao. Ciao, ciao boubouille. Ciao. Ciao. C'est quand même bien le turfu ce jeu. Ça se passe bien là la coiffure. Ouais ouais je vois ça. Je trouve ça con que tu mettes ça, tu devrais laisser pousser tes cheveux normalement quoi. Une biche. Le gars m'a tiré dessus au lance-roquette à 15 cm. Yo FVPN, ça va quoi? Ah, j'ai gardé la toile. J'aurais kiffé lui mettre là. C'est cheaté, hein. Descends! Oh, il met trop de temps. Quand tu veux le faire descendre, t'as vu le temps que ça met à faire le carré, là? Je suis pris de toutes parts, j'ai des alliés, il se branle mon gars derrière. C'est vraiment stylé, c'est carrément immersif. Quoi. T'es abusé. Cours, 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 cours! C'est ça, hein? Wiring locking sequence offline. We need to reactivate the uplink. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Quand t'es derrière la tourelle, t'as l'impression que t'es immunisé, gros. J'ai mis une bombe plein sur sa gueule, vas-y ramenez-vous. Elle a pété.
Là, je cours comme un lâche. Cours, inconscient. Tu vas t'attaquer à ça? Activate. Alors, on va le faire à les personnes qui veulent le faire dans mon équipe. Non, j'ai pas le droit de louper ça. Ouais. C'est cheaté à toi et le pire. Y'a personne qui tente d'attaquer en face. C'est moche. Ils sont moches. D'accord. Très bien. Oh putain, ils m'ont pas vu. Ouais, bah lui m'a vu. Ok, ils prennent un sentinelle pour camper, les gars. C'est quand même beau, hein. Ah, mais t'as vu la vie qu'ils ont? Ils avancent tous comme des sneaky. Regarde la vie qu'ils ont. C'est ça. Il y a tout le monde dessus. On peut plus l'attaquer. Pote, cette merde. Toi, je le veux. Toi, tu défonces un truc cheaté avec. Genre lui.
fuck. Il est mort. Allô? J'aime bien ça. Oh my god! Putain, j'ai pas tiré, what? T'as un objet, un moment de recharger, appuie sur le carré, sur la ligne jaune, ça recharge plus vite. Ah ouais, c'est ce que j'avais compris, ouais, mais je switch souvent d'armes, donc... Et c'est moi qui l'ai eu, connard. Mais c'est nain, pourquoi il me tire dessus? Il est avec nous. Ah ouais. Je suis un rebelle. C'est trop ça, un curfew gros. Mais il bloque tout ces cons là là. C'est de pute, tu vas te pousser du glin à bronze, tu vas pas là, tu vas aux chiottes. Ah, je vais caler ce connard. Coup de mêlée avec R3. Non, moi c'est rond. Mais je trouve ça de la merde. C'est le turfu. Lourd. Le gamin. T'as un lance-roquette, ouais j'ai vu, t'inquiète, hein. C'est juste que je l'utilise au bon moment quoi. Thank you.
Oh là. C'est chiant ça, les robots géants là. T'as tué la game cette merde. Oh mais putain, mais c'est relou. Sur ces enculés là, dans leur bordel de... C'est relou un peu là, les gros robots de merde. C'est bon, les ennemis prennent pas leurs balles. Ouais, il y a des fois où les balles passent pas, je sais pas pourquoi. Et c'est insupportable. Vois-tu? Ah, ça y est. Truc trop relou, quoi. Bon, bah, prochaine partie, on est rang 5. Hein. Bonne nuit, Robs. Je vais en faire encore une ou deux pareil, puis je suis arrêté. Je pense. Mais c'est vraiment le turfu quand même. Je sais pas combien de temps il dure la game. Je dirais une petite quinzaine de minutes. 15 ans minutes. Oh oh. Comment on fait ça? Comment on fait? Je comprends pas. Comment on fait cette merde? Ah bah je l'ai fait. C'est tout? C'est de la merde. Après ouais, je pense que j'ai encore une game ou deux, puis... Si tu dois prendre un grand ouais. Bon, c'est pour avoir le film du turfu, mais au moins c'est... C'est quoi? Ça fait trop laisser... Encore un que tu vas faire pleurer, t'es content? Je t'arrête. Tiens, il a des tâches, j'ai même pas joué. Ils se font ravager.
qu'on a pu se faire des échanges avec le câble geek. Tu m'étonnes. Oh, j'ai envie d'arriver dans l'ordo, gros, je vais leur mettre le turfu. Non. Mais non. Mais les spawns c'est de la merde hein, dans le jeu, c'est un truc de fou. Ah moi je préfère la troisième personne, hein. Moi j'ai toujours kiffé. Hein. C'est ça, hein. Il glisse. Hein. Ouais c'est ça, il glisse tout seul. C'est ça, carrément. Ils arrivent pas à des âmes là, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent pas? Carrément hein. Il a osé me tirer dessus. Oh putain, mais ça tape dans le mur en troisième personne, on voit pas aussi si ça passe ou pas. C'est ça qui est un peu con. Let us go. C'est à chier, Théo. Ils avancent pas, hein. Ils font pas un mètre. Ils sont revenus là. Cette arme-là, elle est cheatée, hein. C'est n'importe quoi. C'est à chier à terre. La violence de la mêlée, tu m'étonnes. T'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Là. Je vais remettre le turfu à ces bâtards. Ah, oh, mais putain, je décale trop. Fou lui. Genre
Il y a un gros problème avec les bolts. Fuck. Rien à faire contre lui, j'étais sûr de crever. J'étais sûr. Papa, il est encore là-haut l'autre. On voit rien. Je le vois. Je comprends pas, j'ai l'impression, je suis sûr d'être dessus pourtant. Vous voyez, ça m'énerve. Tourelle partout, ça c'est un truc qui me gave. Ça tue le jeu, je trouve. Il y en a trop. Il peut y en avoir, mais pas autant, quoi. Voilà, encore une tourelle. Il y en a partout, il y en a partout. C'est insupportable. Et là, on se marre. Allez, allez, je veux y aller. Oh là, c'est de la merde un peu. Je préfère Luke. Hein. Je trouve qu'il il est vraiment lent, Dark Vador. Très très lent par rapport à lui. Un peu dommage. Faites toutes les sourelles, tu seras tranquille. Ouais, mais bon, c'est relou quoi. S'il faut passer 15 heures à niquer de la tourelle et tout.
Merde, cette tourelle de merde encore. Hein. C'est chiant à crever. Hein. Ah, je déteste ça, les tourelles, c'est trop là, c'est trop. Bon. C'est la merde. J'ai l'impression qu'elle repop en plus cette tourelle. On va se faire niquer là. D'où la balle elle passe pas là. Oh, je l'ai eu. What? Oh, tu vois, c'est injouable. C'est les tourelles rendent trop le jeu injouable. C'est vraiment le point négatif. Hein. Faut qu'ils vraiment qu'ils t'en retirent de ces putains de tourelles. Hein. C'est le seul point négatif que je vois. Quoi. Les Luke et Dark là, Vador, là, c'est pas cheaté ça. C'est tranquille. Mais alors putain les tourelles, pff, c'est trop. Elles sont à la disposition de tout le monde. Peut-être cette merde là de squad shield de merde. Oh le turno snipe. j'ai mis un oscope suivi de deux petites balles. Suivi. C'était pas mal. C'est la main, ouah. Wow. 17-8, pas mal. Ça va quoi? Désolé pour l'écran bleu, mais enfin, je fais un truc. Je vois que ma console avait freeze, hein. Je suis désolé. Ouais. Je suis juste allé voir un truc dans mon menu de ma console, le truc là. Tu vois que ça avait freeze. Et you are le quin, je sais pas si tu m'as entendu du coup, parce que j'ai peut-être pas le micro sur moi. Ça va quoi? J'ai oublié de remplacer hein. Ma grenade elle sert pas. Bon allez, j'en fais une dernière et puis je vais arrêter moi. J'en fais une dernière et puis je vais arrêter moi. Ouais c'est calme, tu peux encore faire un débat sur un Destiny. Oh putain, je suis pas sûr. Pour l'instant j'ai pas vraiment le temps. Je vais faire ma vidéo dédicace, ça sera très bien. Je la ferai demain ou après-demain, puis vous l'aurez dans 4-5 jours. Proximité des bombes.
Quoi? Ah mais ouais, je suis en contrebas. Quand je suis la troisième personne, je le vois pas ça. Ah, j'ai pas eu le temps de jump, j'ai eu le temps de rien. Elle est trop cheatée son arme. Je vais me faire une dédicace, pourquoi faire? Comment ça prend pas le snipe, c'est relou. Non, le snipe j'adore moi. J'essaie du première personne un peu là. Je préfère quand même le jeu en troisième personne, je trouve beaucoup plus immersif. C'est l'abruti. J'ai une moins bonne vision du jeu en première personne. C'est la merde. Ça campe beaucoup quand même. Dans ce jeu, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse campe de la part des. On est censé défendre à la base. C'est pas nous qui sommes censés bouger. On est obligé d'aller chercher les gars quoi. C'est cheaté. Ouais, je bouge de là, j'ai vu un truc qui me plaît pas là. Il y a trop de trucs extérieurs, c'est qui est un peu dommage. Ah, c'est du lourd Battlefront. Ça déchire tout. Comment ça passe pas ça? Ok.
Wouah, je bougeais pas. Forcément, le gars, j'ai fait un caviar, quoi. Ouais, c'est temps, mais je comprends les VPN, hein, c'est... Ils ont du mal à prendre un peu sur ce jeu. C'est bizarre, je comprends rien, moi, Dieu, j'ai même pas suivi ça, c'est vrai, j'ai pas trop dit ce que mon frère l'a fait, voilà. S'en fout de ça. Ok. Enculé, son arme est trop puissante. On s'en fout, il n'y a pas d'histoire dans le jeu, c'est que du multi. C'est deux groupes qui se tirent dessus pour la ligne, il n'y a pas en savoir plus. Hein. Oh, il me carotte mon kill comme un chien de la casse, là, fils de pute de d'allier, là. Même pas, il va les tirer le connard qu'à côté, quoi. Gros chien, ouais. Oh putain. On fout de ta merde, là. On fout de ta merde, c'est ça que je veux. Oh, lui, il est cheaté. On n'a pas le temps. Lui, il est bon, lui. Quoi? Ouais, laisse tomber, c'est de la... Ça m'énerve, tu vois. C'est que dans le jeu, ça va finir comme ça. C'est que tout le monde va camper strict et ça va être injouable. Tu vois, t'as un héros, bordel, il fait 2 secondes parce que tout le monde campe strict, quoi, c'est n'importe. C'est de la merde. C'est casse-couille, mais au possible, quoi. Tu peux rien faire, ils campe tous au strict. Le peu que me fait tuer, c'est du strict, et que ça. C'est quand même malheureux. Alors, en gun, ils valent rien, les mecs. Et tu manges, hein, tu manges du con, hein. Allez, hop, circule. Tu m'as gavé, frère. Oh putain, il a mis une protège de chien. Et il aurait pas mis la protège, j'aurais mis une balle dans le front, ce bâtard. C'est un peu différencié les deux groupes. Bah attends, il y a un groupe bleu, un groupe blanc et un groupe gris. Tu pourras pas, ma girl. Activate! Et pour moi celui-là. Et on est mort. C'est sûr.
pas eu le temps du con. Il y a Dark Put là. Tu vois, ça m'énerve, c'est tout le temps tué par un streak, quoi. C'est trop, il y a trop, c'est... C'est une fois dans la partie que tu te fais tuer par une arme, le reste du temps c'est des putains de streaks de merde. C'est beaucoup trop en pot. Regarde, tu peux faire quoi? Il est à l'autre bout de la map, le bordel. Sans déconner, quoi. Ça c'est un truc qui est... Ça c'est pas normal, ça c'est un truc qui est mal dosé, ça. Voilà, un streak. C'est tombé. Ah, c'est nimpe. Je tire dans le truc parce que je suis la troisième personne. C'est juste pas normal, parce que je suis à la première quand je vise dans l'arme, mais bon. Y a pas de duel sur le jeu, tu te fais tellement one que le duel il est inexistant, quoi. Laisse ça, toi connard, je laisse mon streak exprès, quoi. On gagnera pas, mon équipe elle joue pas assez l'objectif. Ils sont tous dans les tourelles, ils y sont tous. Je peux rien faire. Oh, les dégâts que je mets au bordel là. Comment ça? Et les dégâts? C'est quoi ça? Je l'ai eu. What the fuck. Hey, je suis le premier de mon équipe. Hein. Ils ont rien branlé. Mon équipe sur le cool. T'as rien foutu. C'était marrant. Hein. Bon bah les gens, hop, je mets ça un petit réglage. Oup, dégueulasse. Bon moi les gens, je stoppe le stream, parce que je suis fracasse, j'ai mal au dos en plus, truc de ouf. Donc, je restreamerai demain, donc pour les intéresser sur Destiny, donc pour le reboot, normal.
Et puis, en attendant, je vous remercie d'être passé ce soir, tout le monde. Et puis, je vous dis tout simplement à la fois prochaine. Donc, à demain, pour ceux qui seront présents. Et puis, voilà, quoi, ça sera nickel hein, pour le reboot, ça sera au calme. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, tout le monde. Et puis, bonne nuit. Ciao, bye bye, tout le monde.